Bonjour et bienvenue sur les plateaux de l'Open World Forum 2012. Je reçois Michel Delattre, bonjour, qui est directeur des systèmes d'information du groupe La Poste. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la stratégie numérique de La Poste, justement ? Oui, La Poste a l'ambition d'être un acteur important dans la transformation numérique de la société. Et nous pensons que nous avons pour ça des atouts importants, nos compétences, nos partenaires, et puis surtout le fait que les Français ont confiance dans La Poste et que la confiance est essentielle dans le numérique. Donc nous voulons développer pour nos clients des offres numériques de toute nature. Nous voulons développer une relation avec nos clients qui soit fondée sur des canaux numériques. Et nous voulons aussi transformer l'entreprise en interne dans ses fonctionnements grâce aux nouveaux usages numériques. Très bien. Et donc on est sur l'Open World Forum. Donc on parle d'open source, de logiciels libres. Quelle est aujourd'hui la place justement de l'open source dans la stratégie numérique du groupe La Poste? Oui, La Poste est utilisatrice de solutions open source depuis nombreuses années, de manière croissante. Et maintenant sur des processus critiques, par exemple le processus du tri du courrier, qui est évidemment très critique pour nous, est un processus qui repose sur des solutions open source. Mais ce que nous pensons, c'est qu'à l'avenir, pour la stratégie numérique du groupe, nous aurons besoin de systèmes d'information plus agiles, plus ouverts, plus innovants, et que les solutions open source auront une place importante à jouer dans cette stratégie finalement. Et donc quand le DSI du groupe La Poste fait le choix de l'open source, quelles sont les raisons qui le poussent à choisir ce modèle-là ? Il y a plusieurs raisons, il y a un ensemble de raisons qui sont des raisons rationnelles, je dirais, c'est-à-dire le coût sur la durée d'un projet, la flexibilité, l'ouverture, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs, le fait qu'on a les fonctionnalités dont on a besoin et pas davantage. Et puis, il y a aussi le fait qu'il nous semble que les valeurs de l'open source sont en accord avec celles de La Poste, des valeurs de transparence, de partage, d'innovation, de respect de la donnée privée. Donc, toutes ces valeurs sont aussi les nôtres. Donc, au-delà des raisons rationnelles, ce sont des raisons qui nous font choisir, dans certains cas, des solutions d'open source. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais dans le futur, l'open source va prendre plus de place ? Quelle est votre vision par rapport à l'open source, justement, dans votre système d'information ? Je pense qu'à l'avenir, on aura des systèmes d'information de plus en plus ouverts globalement, pour être plus flexibles, pour être au service de la stratégie d'entreprise, et que l'open source aura une place certainement croissante dans ce contexte-là. Donc ça suppose qu'on travaille mieux avec les communautés, l'écosystème open source, pour mieux connaître, mieux comprendre et trouver les innovations dont on aura besoin. Mais très probablement, l'open source aura une place plus importante à La Poste dans l'avenir qu'elle l'a aujourd'hui. Il y a une gouvernance spécifique à l'open source aujourd'hui Il y a à La Poste une gouvernance d'open source qui est inscrite dans une gouvernance globale des systèmes d'information, qui est une gouvernance qui décrit les cas d'usage d'open source, les modalités de recours à l'open source, les modalités d'achat aussi des solutions support l'open source. Donc ce cadre a été mis en place depuis quelques années, il existe. Et donc c'est ce cadre-là qu'on va continuer à utiliser à l'avenir. Très bien, Michel Delattre, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage du groupe La Poste et de l'open source. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.